continue ensuite avec la famille des ballons, toujours un esprit de jogger. Le ballon, on a une taille marquée et cette volonté de créer une courbe sur l'extérieur du pantalon avec une longueur 7/8. Donc sur celui-ci, on est vraiment sur un maximum de confort pour la cliente. Et pour la morphologie, on est toujours sur quelque chose d'un petit peu plus large sur le bas de la silhouette. Il faudra peut-être miser sur quelque chose d'assez près du corps si la cliente préfère ne pas jouer sur le total look oversize. Ou alors, on peut jouer sur quelque chose d'un peu plus oversize, comme on le verra par la suite avec une marinière en lin. Également sur cette même forme, on retrouve le pantalon Sidonic qui fait partie de la famille des ballons. On est sur un pantalon en 98% de coton et 2% d'élastane. On est sur un pantalon qui a beaucoup été demandé, une couleur qui est très demandée sur la mi-saison, le fameux jean ballon en blanc. Donc on est sur une taille marquée au niveau de la taille et un volume qui se crée sur la hanche pour bien mettre en valeur la silhouette de la cliente, avec des passants qui pourront vous permettre d'insérer une ceinture ou même un foulard un petit peu plus coloré. Également des poches bien placées qui vous permettront de sublimer les fesses des clientes. Et en association, je vous propose cette petite marinière en 100% lin, col V, que vous avez certainement connue l'année dernière, qui peut être un look très sympa pour la mi-saison comme pour la saison d'été qui arrivera par la suite. Également, en idée de look, on retrouve le débardeur qui peut légèrement dépasser pour dévoiler ce détail dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui nous fait un look assez frais pour la mi-saison